Ouais, c'est un devoir citoyen, parce que le Sénégal est un état de droit. Nous sommes régis par la loi, des textes et des règlements. Donc le mandat du président de la République a un terme, et ce terme-là, c'est le 2 avril. Donc c'est un mandat électif que le peuple sénégalais lui a donné. Donc c'est au peuple sénégalais de choisir son président. Donc moi, en tant que maire, je suis détenteur d'un mandat électif. Le président de la République aussi est détenteur d'un mandat électif qui a un terme. Donc le 2 avril, il ne peut plus être le président de la République. Comme nous, maires, en 2027, on va perdre nos mandats. Donc nous sommes dans un état de droit. Le Sénégal est une démocratie. La démocratie sénégalaise n'est plus à démontrer. Donc nous demandons au président Macky Sall d'organiser les élections le plus rapidement possible pour qu'enfin, au soir du 2 avril 2024, pour qu'il puisse quitter en tout cas le pouvoir et le donner à celui que les Sénégalais vont élire.